Et après... Il y a le sauna... Oh, mais on retrouve Damien. Mais il était pas dans le bain juste avant. Oh. Il va mourir de chaud, je crois. Qu'il pleuve dans le sauna. T'as de l'espoir, toi. Un autre pour moi ? Ouais. Charmante petite ville d'Etna. Et il y a quelqu'un qui vient nous dire qu'il est à poste d'office et qui nous prend juste en retour pour nous ramener sur le trail. Content de retourner sur le trail ? Non. Toujours un peu la flemme. Posté. Allez, on retourne sur le trail. Et rien de mieux qu'une petite montée pour attaquer. C'est cool, ça met en jambes. Petit coin pour ce soir, puis qu'à trouver un petit spot plat pour une reprise, c'est pas mal. On a fait 24 miles, pas trop mal, commençant à 11h. Voilà. Et voilà, nous voilà dans nos Alpes. Ça ressemble. On a retrouvé plein d'amis, des amis belges, la Belgique en force. Et voilà, on est chez les Trail Angels, enfin, c'est trop bien, on s'amuse. Là, on a le buffet qui est arrivé, des ribs, burgers et snacks. Allez, c'est parti, on va se régaler. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Damien? Je lui attache ses chaussures. Comme ça, demain il sera emmerdé. On vous aura aidé de toi. Parce que demain on est censé commencer à 5h, donc il va se lever à 4h. Ouais, fais pas des gros trucs sinon. Oregon! Enfin, la fin de la Californie. Je passe dans l'Oregon. Oui. Allez, on signe. Allez, c'est bon. Là, on a des copains qu'on a dormis là, qu'on n'avait pas vu depuis le début quasiment. Ils ont fait 46 miles, genre 70 km hier. Pour dormir dans l'Oregon, quoi. Ils dorment dans un campsite pourri. C'est bien, il n'y a pas de campsite, c'est sur la route. Et, c'est pas... Et en plus, c'est pas plat. Ça y est, on est dans l'Oregon. Donc on a moins de 1000 miles à parcourir maintenant. Et apparemment l'Oregon c'est assez plat. Donc bon, bien sûr on va faire quelques zéros. Mais ça devrait, j'irai en deux semaines, 16 jours à peu près, on devrait déjà être dans le Washington. On va direction Ashland aujourd'hui. Ville et t'as deux petits bébés Bambi qui sont là, normal. Oh ouais, oh purée, il a un souci. On vient juste être Christophe par Dave, il nous a conduit chez lui pour qu'on dise bonjour à son chien. Il adore les PC Hikers et là on est dans son jardin. Il va peut-être nous proposer un petit café. Enfin, ça un petit déj, il nous a dit qu'on va rester. Il a fait la petite piscine et on peut même camper dans son jardin, mais on a déjà pris une chambre donc c'est dommage, mais c'est super gentil, trop cool. Bon bah voilà, on se retrouve dans le jardin et puis on va manger avec lui, c'est trop drôle. Il nous a pas trop laissé le choix au final, mais il est vraiment adorable. Il est en train de nous donner plein de choses, une grosse tomate de son jardin, c'est incroyable, c'est trop gentil. Il fait son propre miel et puis il va nous en donner.
Alors là, on vient de sortir de course et on a emprunté un caddie, on a demandé si on pouvait. Et trop sympa, ils nous ont laissé prendre le caddie parce qu'on doit emmener toutes les boxes après à la poste. Oh purée, le trottoir. Putain, c'est lourd. Mon dieu. Oh là là, l'aventure. Oh, bon appétit. Yummy, yummy. On fait le resupply pour l'Oregon. Oui. Les M&M's. Oh. Moi. Merci. What do we got here? Here, it's preparing. That's a big thing of tuna. That's huge. Nice. Mm. Where are you sending your boxes? Mazama. Mazama? Yuskam and Tiberin. Okay. Et le chef nous fait des cordons bleus pour ce soir. Et de la ratatouille. La tomate du jardin et la mozzarella. Il va tester la ratatouille de Damien. Il mange les cookies. Il croit que Damien c'est le rat dans Ratatouille. Bon appétit. Ah, oh, cordon bleu Ratatouille. Bon les gars, on est prêts à repartir sur le train. À fond. On a trop mangé ce matin. C'est bien vite avec ça. 50 km on peut faire. On va aller finir à 9h du soir. Et tu m'en laisses quand même. On est gros ça. Nous avons attaqué ce matin sous les étoiles. C'était bien sympa. Avec un petit bruit au fond d'un brame de cerf ou d'un ours, on ne sait pas trop. Du coup, on faisait du bruit. Enfin voilà, du coup, aujourd'hui, on veut rejoindre Crater Lake et ça va nous faire une bonne journée. D'ailleurs, la plus grosse du PCT. Hier, on a fait déjà 56 km et aujourd'hui, ça serait dans les 60. Donc bon, voilà, bon challenge pour la journée. Donc heureusement on est dans l'Oregon, donc voilà, ça va, ça monte pas plus que 1400-1500 de dénivelé positif sur 50-60 km, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre il y a plein de troncs, fait que de monter et descendre, c'est dingue ça. Et enfin voilà, en tout cas on a hâte d'arriver à Crater Lake, c'était vraiment un des objectifs de l'Oregon. C'est quand même un beau lac au milieu des montagnes et puis... Voilà, on va essayer d'en profiter, d'aller se baigner. Il y a même apparemment une petite falaise, on peut sauter. Voilà, voilà. On verra ça demain, parce que je pense que ce soir, on arrivera assez tard. Après 10 heures de marche, donc là on commence à avoir plein les pattes, ça fait plus de 50 km et il nous reste encore une petite dizaine pour arriver à 60 et arriver à Crater Lake, donc on a hâte que ça se finisse. Normalement ça va, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était vraiment mental, enfin, c'est le mental qui reprend parce qu'on a eu une section ce matin de 16 miles sans eau. Et puis encore cet après-midi, pareil, la même chose. Donc là, on est assoiffé. On rêve d'un verre avec des glaçons. C'est con. Ou juste des glaçons. Enfin voilà, on a hâte d'arriver. C'est de la motivation. Oh, la récompense en arrivant, je pensais pas que la pizza allait être aussi méga grosse. Alors c'est bon, ça fait du bien. Ça, c'est bien mérité.
La bonne nouvelle, c'est que notre box est bien arrivé à Crater Lake. Ça, ça fait plaisir, on a l'impression que quelqu'un nous a envoyé des choses. Bon, en fait, c'est nous, mais ça fait trop plaisir. C'est déjà fait. C'est trop beau. Et encore, en vrai, c'est encore plus beau. C'est impressionnant, on a l'impression que c'est irréel. Et ça grimpe, hein? Alléluia. Un paquet d'arbres couchés par terre. C'est fou. Il est bientôt 20h30. On essaie de fuser là. On est quasiment à 3,4, 3,5, c'est parce qu'on n'a pas voulu décoller ce matin du petit déjeuner. On a fait une bonne journée, quoi, mine de rien, on voulait faire vraiment une journée tranquille. En fait, il n'y avait pas d'eau, encore une fois. Et là, il y a une water cache, bientôt, dans 3 miles. Donc, dans moins d'une heure, enfin, à l'allure où on va. C'est dur de garder la cadence, ça fait déjà 3 heures qu'on marche comme ça. C'est chaud. On dirait le lapin dans le pays. Non, Alice au pays des merveilles. Toujours pressé. Il court. On n'est pas assez rapide. Du coup, on court. Sinon, on va arriver dans la nuit. Purée. Et un beau coucher de soleil à gauche.